Donc on va faire un concert avec des œuvres de musique classique d'abord, et ensuite un peu de musique sud-américaine, parce que Ricardo, il est vénézuélien. Tout le monde n'a pas accès à cette musique, qui est une belle musique, et voilà. Et donc, ce que je fais là, c'est un peu un aboutissement de ce que j'avais envie de faire. Enfin, un aboutissement, non, c'est une progression, parce que l'aboutissement, il n'est pas encore là, il faut en faire beaucoup et se sentir vraiment très à l'aise. Mais c'est vraiment quelque chose qui nous apporte beaucoup, parce qu'on sent qu'il y a des jeunes qui sont très, très touchés par ça, qui ne connaissent pas et qui sont tout de suite accrochés. Bon, il y en a d'autres moins, mais ça c'est un peu logique aussi. Et voilà, moi ça m'apporte beaucoup. Ah, pour moi c'est une découverte, mais moi j'ai commencé la musique un peu comme ça, c'était dans le système vénézuélien. Moi je viens d'un endroit très très pauvre, dans un sens où musicalement c'est pas grand chose. Donc moi j'ai commencé la musique dans un centre où ils nous ont montré la musique, ils nous ont donné des instruments, donc c'était toujours très ensemble. Pour moi c'est vrai que de faire ces genres d'intervention c'est très important, parce que ça permet de découvrir la musique. Et c'est vrai que malheureusement, si on veut, la musique classique, ça reste un petit peu élitiste, mais il faut essayer de vraiment de la faire découvrir à tout le monde, quoi. Et c'est ça le travail. Bah, c'était joyeux, c'était rythmé. Ouais. Les deux instruments, ils vont bien ensemble. J'aimais bien, j'avais pas beaucoup entendu de contrebasse tout seul, du coup j'aimais bien. Moi j'aime bien, c'est pas ce que tout le monde écoute à la radio, je sais pas, mais moi j'aime bien. Surtout quand c'est vraiment, on voit les musiciens, si c'est que t'es avec des écouteurs comme ça, c'est moins marrant que quand on voit les musiciens eux-mêmes.